Bonsoir, les nuages étaient encore nombreux ce jeudi sur une grande partie du pays et les pluies restaient encore fréquentes dans les régions du quart nord-est. Pour votre vendredi matin, c'est cette fois-ci dans le nord-ouest du territoire que les nuages seront les plus denses, avec quelques précipitations au programme, essentiellement des bruines un peu plus régulières vers la Bretagne et vers le Cotentin. En revanche, plus on se dirigera vers les frontières allemandes et les régions méridionales, plus on retrouvera un temps sec et ensoleillé, avec seulement quelques cumulus ou quelques nuages élevés. L'après-midi, la grisaille va se généralisé à toutes les régions des deux tiers nord, avec quelques précipitations à prévoir, plus régulières sur le quart nord-ouest, tandis qu'ailleurs il s'agira essentiellement de bruine. Sur les régions du tiers sud, un temps qui restera plus sec, avec seulement quelques cumulus ou quelques nuages élevés, et donc un temps lumineux. Les températures pour votre vendredi matin, bien contrastées entre le nord-est et le nord-ouest, moins 1 degré près des frontières allemandes, mais déjà 9 degrés pour Brest. Il fera également 11 degrés pour la maximale à Marseille, et puis l'après-midi, des températures qui vont s'échelonner entre 8 degrés à Berne et 22 degrés pour le Languedoc et pour le Roussillon. Il ne fera que 9 degrés à Lille, 10 degrés pour Amiens, 12 à Paris, 15 à Clermont-Ferrand, 18 degrés bien agréable du côté de Toulouse. On passe à votre week-end prolongé de Pâques avec une journée de samedi qui commencera bien mal ce dernier. Un temps bien gris sur une grande partie du territoire, surtout sur le quart nord-est où les pluies seront régulières. Il neigera sur les massifs de l'est au-dessus de 1100 à 1500 mètres et puis un temps plus sec mais venté près du golfe du Lion. Par contre, à partir de dimanche pour votre journée de Pâques, eh bien le temps va redevenir bien calme et sec pour tout le monde, avec en prime de belles apparitions du soleil, particulièrement pour le centre-ouest et pour le golfe du Lion. On conservera quand même un risque d'averse entre les Alpes et la Corse, mais les températures seront partout bien fraîches, avec probablement quelques gelées en cours de matinée et un après-midi frais renforcé par la bise de nord-est. On passe à votre lundi de Pâques, journée fériée et particulièrement ensoleillée sur quasiment toutes les régions, seulement quelques cumulus près des frontières du nord et sur les régions de l'est, peut-être une averse pour les Alpes du sud. Pour mardi, quasiment la même situation que la veille, avec un temps bien ensoleillé, sauf près des frontières du Nord et sur la Belgique avec le retour de nouveaux nuages. Les températures seront plus ou moins conformes au normal de saison. Et puis ça restera le cas pour mercredi et pour jeudi prochain, avec une petite infiltration nuageuse pour mercredi dans le Nord-Est. Et puis jeudi, avantage aux éclaircies, un temps de saison pour ce début du mois d'avril. Demain, nous serons le vendredi 3 avril, nous fêtons le Vendredi Saint ainsi que les Richards et nous gagnerons 4 minutes d'ensoleillement supplémentaires. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve demain soir pour un nouveau bulletin. À demain.